Veuillez vous abonner sur ma page et activer la cloche de notification. Ensuite, likez la vidéo si ça vous a plu pour plus d'informations. Oui, shalom à tous. Bonsoir à toutes dans le précieux nom de Jésus. Voilà, je viens ce soir pour parler un peu de ce que j'ai. Ce matin, j'ai fait un post. Et ce post-là, First Mag Premier a repris. Et ce post portait sur le Boucantier Mola. Voilà, Boucantier Mola. Après ce post, j'ai essayé de voir les différents commentaires. J'étais vraiment touché parce que j'ai vu combien de fois la Côte d'Ivoire ne mérite pas, voilà, des traitements des hommes de Dieu, des enfants même qui se disent hommes des chrétiens, des musulmans qui se disent qui n'ont jamais insulté un membre, insultent un homme de Dieu parce qu'il a parlé. Je rends gloire à Dieu. Pourtant, il y a des imams qui s'ingèrent souvent dans la politique. Mais on n'a jamais vu ces personnes-là parler de l'imam. Mais je bénis Dieu parce que je sais que Dieu m'a parlé. Je priais et Dieu m'a dit que Moula, il y a un décret de mort sur sa vie. Et qu'avant 6 mois, s'il ne sort pas dans ce qu'il est en train de faire, Dieu m'a dit qu'il va ôter sa vie. Et j'ai fait ce poste. D'autres ont dit que je pouvais être arrêté parce que on ne peut pas parler comme ça à la mort de quelqu'un. Un prophète, c'est quelqu'un qui prédit. Il n'a pas de compte à rendre à personne, même pas à un président de la République, même pas à un directeur national de police, même pas à un commandant de brigade de la gendarmerie. Tout cela ne peut même pas contre le décret de Dieu. Moi, je vous dis, aucun, je défie quiconque. Je défie. C'est un projet que Dieu a planifié. Pourquoi? Parce que quand nous avons lu le conseil de Kérosène, et quand ils ont posté sur ce qu'il a fait, le travaillement, et ayant lu les commentaires, plusieurs commentaires, Dieu, au départ, ça m'a touché parce que plusieurs personnes même avaient tagué la direction nationale de la police, soit économique mais criminelle. Et même d'autres même parlaient même qu'on doit l'arrêter. Et il y a des gens même qui disaient, nous, on est des démunis, et voilà, les gens jouent avec l'argent, et puis l'État dit rien, voilà, voilà. Mais aujourd'hui, j'étais en train de prier, et puis Dieu m'a dit, le cri de toutes ces personnes-là montait à Dieu. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui jouait avec l'argent, qui jouait avec l'argent. Vous savez, l'argent qui est là, c'est très sacré. On ne joue pas avec l'argent. Ceux qui font des travaillements qui sont là, s'ils ne sont pas des mystiques, Dieu ne joue pas avec ça. Donc, et Dieu est en train d'écouter le cri des pauvres, le cri des misérables, pour qui même Moula même pouvait aider certaines personnes. Oui, même si certainement il le fait, mais le fait de jouer en public avec l'argent, et c'est en cela que les 12 sagas sont tous partis. Et ça doit interpeller Moula. Et je reviens encore pour dire que Moula, si il n'arrête pas, parce que Dieu, même pas si, Dieu m'a dit que sa mort est programmée. Il doit venir, il doit se soumettre à Dieu. Il doit demander à Dieu pardon. Parce que s'il ne le fait pas, Dieu va le frapper. Je l'ai dit et je le confirme. Je l'ai dit sur, First Mag Premier a publié. Mais moi, je reviens encore à la charge pour dire que la révélation que j'ai reçue de Dieu, c'est une révélation qui vient de Dieu. Dieu m'a dit qu'il va accomplir cela en 6 mois, s'il ne change pas. Et vous verrez que s'il y a un prophète ou bien s'il n'y a pas de prophète. C'est malheureux de voir aujourd'hui des gens qui ne croient pas en Dieu. Et le prophète Esaïe, ayant reçu que le roi Ézéchias allait mourir, il est parti lui dire que Dieu m'a dit, tu vas mourir. Et cet homme, ce roi, dans sa grandeur, s'est mis en genoux, a tourné la face contre le mur, et a commencé à se faire sa repentance, a commencé à pleurer. Voyez-vous? Donc, pour dire que Dieu, il n'y a pas de grand devant Dieu, il n'y a pas de puissant devant Dieu. Mais pour ceux qui disent que moi, le prophète Gala, je le fais pour les miettes, pour l'argent, non, rassurez-vous, moi j'étais gendarme, j'ai pu travailler et je sais ce qu'on appelle, aujourd'hui, j'ai des chances de construire, voilà, ma vie, même construire même. Donc, je ne tends pas la main à quelqu'un.
Moi, j'avais ma voiture, ma propre voiture, je l'ai vendue pour l'œuvre de Dieu. J'ai acheté terrain avec, pour l'œuvre de Dieu avec. Donc, ce n'est pas pour quelqu'un que je vais convoiter. Voilà. Et je dis à quiconque peut l'entendre que cette prophétie va s'accomplir si cet homme ne change pas. Peu importe les humeurs que les gens sont en train de manifester partout. Donc, je viens encore pour vous dire que c'est le prophète, le révérend prophète Gala. Et je suis à l'écoute, je suis en prière, 40 jours de jeûne. Et je dis que Dieu m'a parlé. Cet homme-là, il doit prendre contact avec moi. Et je le dis. Je le dis. Ce n'est pas hein, quand il va mourir, on va dire non, les prophètes. Moi, je n'aime pas lui, les prophètes, non, il va aller ressusciter mort. Moi, je ne ressuscite pas mort. Je peux ressusciter, mais si Dieu me dit de le faire. Et si Dieu, le jour que Dieu me dira de le faire, je le ferai sans bruit. Donc, que le Seigneur vous bénisse.